Amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce mardi 22 mars. Donc tout d'abord, ben, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous, les amis. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre maximum de pouces bleus, de partager et de vous abonner. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à aller voir mes autres chaînes YouTube qui sont ici. Alors, max de pouces bleus pour l'algorithme YouTube, ça marche comme ça. Donc, n'hésitez pas à les mettre et en force. Donc, ceci étant dit, donc je fais les pronos un peu tôt. Voilà, bon, ben, ça peut varier, hein. Bien sûr, ils seront proposés après le Quinté Plus pour les vidéos par tronçon. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, allons-y pour le pronostic, les amis. Le pronostic Quinté Plus, on va commencer avec le programme du Quinté, qui sera la réunion 1, course 1, à 13h50 à Chantilly. Ce sera du plat sur 2100 mètres. Il y aura 16 partants. C'est un handicap divisé, une corde à droite, une course en PSF, et il y aura 50 000 euros d'enjeu. Donc, mon niveau de confiance, il est de 3 sur 5 pour cette course-là. Mon favori, les amis, sera le 4, Nottingham, qui sera monté par Crastus. Ma base sera le 2, Beautiful Aspen, monté par Hardwin. Mes outsiders seront le 6, Sirenka, monté par Guyon. Le 10, Galifa, monté par Trullier. Et le 14, Simaruba, drivé par Lemaître. Mon regret, ce sera le 9, Rose in Bloom, monté par Bachelot. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 4 et le 2. Mon 2 sur 4 combiné sera le 4, 2, 6. Mon couplet sera le 4 et le 2. Mon couplet combiné en 3 chevaux sera le 4, 2, 6. Et mon couplet combiné en 4 chevaux sera le 4, le 2, le 6 et le 1. Mon multi en 7, un champ total, sera le 4, 2, 6, 1, 8 et 10. Mon multi en 7 normal sera le 4, 2, 6, 1, 8, 10 et 5. Mon tick 3 sera le 4, 2, 6, 1, et 8. Et pour ce qui est de ma sélection de mon jeu en 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, ce sera le 4, le 2, le 6, le 1, le 8, le 10 et le 5. Ainsi que le 14. Et pour ce qui est de mon cheval de complément, c'est mon regret, le numéro 9. Donc voilà les amis pour le pronostic de ce mardi 22 mars. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter. L'algorithme YouTube marche comme ça, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée à tous. Bye bye. Allez, YouTube Live et Twitch, on continue, nous. Le temps de noter la vidéo. Et on y va. Hop. Allez, on y va pour mes trois bases, les amis. Alors, mes trois bases du Quinté Plus. Donc, on y va tranquillement, mais sûrement. Donc, mon favori sera le 4, Nottingham, qui sera monté par Crastus. C'est une femelle de 4 ans. C'est Bloom Blurn, l'entraîneur. 13 courses courues, une victoire, 8 fois deuxième et troisième, 4 autres. Donc 69% dans les 3 premiers.
Donc ses gains, c'est 20 480. Donc je pense qu'il aura besoin de gains pour cette course. Donc j'espère qu'il rentrera dans les trois. Ça ferait super plaisir. Ma base sera le 2 Beautiful Aspen. Donc sûrement l'un des favoris de la course. Donc c'est une femelle de 4 ans. Ardouin aux manettes. Libo l'entraîneur. 8 courses courues, une victoire, une fois deuxième et troisième, 6 autres. Donc 25% dans les 3 premiers. Donc cheval qui peut être assez intéressant, même malgré son 25% dans les 3 premiers. Mais voilà, un cheval à surveiller qui a besoin de gains également, puisqu'il est à 33 600. Donc je pense qu'il essaiera de faire le job et de rentrer dans les 3. Montocar sera le 6 Sirenka, donc femelle de 4 ans, c'est Guillon aux manettes. Lucas l'entraîneur, 7 courses courues, 2 victoires, 2 fois 2e et 3e, 3 autres. Alors 57% dans les 3 premiers, donc pareil, le gain 26 510. Donc je pense que lui peut faire le job aussi, hein. C'est un cheval à surveiller, moi je le prends dans mes bases. Donc voilà, de toute façon, je ne ferai pas sans ces trois-là, hein, sans le 4, le 2 et le 6, les amis. Donc voilà pour mes trois bases. Donc n'hésitez pas à mettre maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner, les amis. L'algorithme YouTube marche comme ça. Commentez et on se revoit pour ma dernière minute. Allez, YouTube Live, on y va. On va y aller. Je marque la vidéo. On en a pas mal à faire. Donc, on a pas mal de pronos pour ce mardi. Donc, ma dernière minute du Quintet Plus, les amis. Donc, pour ce Quintet Plus, j'ai choisi le 7 Full Flow. Voilà, musique qui me... Voilà, un peu aléatoire malgré de bons résultats, mais deux fois, sept fois, septième et cinquième. Donc je pense que je l'ai mis en dernière minute et voilà, malgré, vous allez voir, des beaux pourcentages, mais bon, je préfère le mettre en dernière minute et mettre une petite pièce dessus, faire un 2 sur 4 et un couplet, plutôt que de l'incorporer à mes jeux. Après, c'est à vous de voir, hein, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc c'est une femelle de 4 ans, hein, c'est Berthaud aux manettes, Libo l'entraîneur, 9 courses courues, une victoire, 6 fois deuxième et troisième, 2 autres, 78% dans les 3 premiers. Donc, vous voyez, il a de bons résultats, mais voilà, je préfère le mettre un peu hors jeu. À voir si je me trompe, hein, je ne suis pas devin, donc tout peut arriver. Donc, voilà, les amis, pour ma dernière minute du Quintet. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter, les potos. Et on se revoit, ben, écoutez, pour le Pick 5 tout de suite. Allez, YouTube Live, on y va. Je marque la vidéo. Hop, allez, on y va pour le pronostic Pick 5, c'est parti. Donc le pronostic Pick 5, les amis, de ce mardi 22 mars. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, de partager, de vous abonner. L'algorithme YouTube marche comme ça, donc je compte sur vous, les amis. Et on est parti pour le pronostic. Donc pour la première course, ce sera la R1 C6. À 16 h 45 à Chantilly, ce sera du plat sur 1400 mètres. Il y aura 17 partants. Mon pronostic Pick 5 sera le 4, 1, 8, 2, 6, 5, 15 et 11. Mon regret sera le 3 et mon jeu simple, mon favori, sera le 4. Pour ce qui est de la deuxième course, ce sera la R1 C8 à 17 h 55 à Chantilly. Ce sera du plat sur 2100 mètres et il y aura 15 partants. Mon pronostic Pick 5 sera le 9, 6, 3, 13, 12, 5, 10 et 1. Mon regret sera le 11 et mon jeu simple, mon favori, sera le 9. Donc voilà les amis pour le pronostic de ce mardi 22 mars.
Donc, n'hésitez pas, max de pouces bleus les potos. Abonnez-vous, partagez, commentez et on se revoit pour le pronostic de la réunion 1. Allez, YouTube Live, on y va. Hop. On va aller à la réunion 1 maintenant. C'est parti les amis, on y va. Allez, c'est parti les amis pour la réunion 1. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Et on est parti pour la réunion 1 qui se déroulera à Chantilly à 13h50. Il y aura 8 courses et ce sera du plat sur toute la réunion. Alors pour la course 1, mes chevaux seront le 4, le 2 et le 6. Mon favori sera le 4. Pour la course 2, mes chevaux seront le 6, le 3 et le 7. Mon favori sera le 6. Pour la course 3, mes chevaux seront le 3, le 6 et le 5. Mon favori sera le 3. Pour la course 4, mes chevaux seront le 4, le 2 et le 3. Mon favori sera le 4. Pour la course 5, mes chevaux seront le 6, le 8 et le 1. Mon favori sera le 6. Pour la course 6, mes chevaux seront le 4, le 1 et le 8. Mon favori sera le 4. Pour la course 7, mes chevaux seront le 5, le 10 et le 16. Mon favori sera le 5. Et pour la course 8, mes chevaux seront le 9, le 6 et le 3. Mon favori sera le 9. Donc voilà les amis pour le pronostic de la réunion 1 à Chantilly. Donc n'hésitez pas à mettre max de pouces bleus, de partager, de vous abonner, de commenter et on se retrouve pour la réunion 3. Allez, on va monter la vidéo. Allez, pour Twitch, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à follow, à vous abonner et à partager. Et voilà, je compte sur vous, déjà 8 followers. Donc n'hésitez pas à faire monter en puissance en partageant mes vidéos sur Twitch. Et on se retrouve très bientôt. Bye!